Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble des briques économiques et faciles à réaliser. Alors, pour réaliser ces briques, j'ai ici un petit oignon haché, une pomme de terre cuite dans l'eau salée et écrasée, environ 100 g de la viande hachée, quelques morceaux de champignons hachés, un œuf, du fromage râpé, quelques feuilles de demi-briques. Et pour l'assaisonnement, j'ai besoin d'un peu de sel et de poivre. C'est parti pour la réalisation de la recette. Dans une poêle, je mets environ une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mets ensuite l'oignon. Je fais revenir l'oignon environ 2 minutes. J'ajoute ensuite les champignons de Paris, la viande hachée. Et j'assaisonne bien ma viande hachée avec le poivre et un peu de sel. Voilà, et je fais cuire le tout environ 3 à 4 minutes. Voilà, ma viande est bien cuite. J'ajoute une cuillère de persil qu'on n'a pas citée. Je mélange avec la pomme de terre écrasée, le fromage râpé. Voilà, et au final, j'ajoute un œuf. Et voilà, comme vous voyez, ma farce, elle est bien prête. Et passons maintenant à former notre brique. C'est parti! Je prends la demi-feuille de brique, je mets un peu de farce et je forme les briques de cette manière. Voilà, comme ceci. Et je le mets directement sur la plaque qui va au four. Donc pour le mettre sur le plat qui va au four, on le met l'ouverture en bas. Donc je fais la même chose pour les autres pièces. Voilà, comme ceci. Et au final, on va les badigeonner avec un petit peu de beurre fondu. Comme ça, on aura une belle dorure après la cuisson. Voilà, et c'est parti maintenant au four à 190 degrés, environ 20 minutes. C'est parti! Et voici nos briques à la viande hachée et pommes de terre sont bien prêts et bien présentées, comme vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit!